Alors salut tout le monde, c'est Mister Tulex et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Syndicate pour la suite des enquêtes à faire. On est à l'épisode 4. Du coup, on y va. J'ai décidé là parce que ce week-end, enfin week-end, ouais, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo presque tous les jours, enfin même tous les jours, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et ça faisait un petit peu trop, du coup là, je vais en sortir une. Tous les 2 jours, du coup lundi, mercredi et vendredi. Comme ça, bah, ça laissera le temps de regarder les vidéos. Parce que c'est vrai que là, ça en fait trop quand même. Surtout des vidéos presque de 30 minutes. Du coup, ça fait un petit peu trop. Et bon, du coup, là, je vais en sortir moins. Bon, allez, alors, résolvez cette troublante affaire de meurtre en chambre close. Ok. Eh bien, salut Big Ben! Eh oui, toujours le fameux Big Ben. Mon dernier récit de crime était si bien ficelé que Purlock Publishing m'en a donné une jolie somme. Et je pense que le prochain sera encore meilleur. Ok, ça marche. Bonjour messieurs, j'ai une enquête à faire, du coup, vous me laissez entrer. Alors, ça commence par où? Ah oui d'accord, c'est au-dessus. Pour une fois que je rentre par la porte et non par la fenêtre. Hein. Ok, du coup il faut que je trouve pour monter en haut. En même temps, je vais pas monter en bas. Ah mais c'est par où encore? Du coup, là, à l'heure que je tourne, on est dimanche. Du coup, bah, demain, je sortirai le premier épisode de cette série de Dreadful. Bon, allez, on inspecte. Aucune trace de lutte, pas de blessure. Du coup, il a été mort. Et c'est Kashan. Ok. Bon, bah, ce sera l'affaire Kashan. Du coup, j'inspecte. Bon, bah, je vous laisse lire. Appareil d'éclairage courant ne s'allume pas. Bah, peut-être remettre le courant, non? Ça s'allumera peut-être. Une conduite d'aération. L'appartement du voisin. Du coup, il y aura le voisin comme suspect. On sait pas comment il a été empoisonné, enfin s'il a été empoisonné ou pas. Vous mettrez sur pause pour lire. Voilà, la porte. Non, elle a l'air de. Porte ordinaire avec serrure et gonds en état normal. Ouais, donc elle était pas cassée ou que des conneries comme ça. Ah, encore un petit truc là. J'allais pas le voir. Concert d'un orchestre de chambre ayant joué des œuvres de Mendelssohn, je connais pas, quelques jours plus tôt. Ok. Attendez, parce que là c'est un petit peu fort le son. On n'entend pas trop la voix. Aucune trace d'effraction. Ah voilà, c'est ce mot-là que je cherchais. Effraction. Je me demande si quelqu'un pourrait m'en dire plus à ce sujet. Non. Je ne suis que la gouvernante, mais Monsieur Kashan était un ami. Je lui apportais son café chaque matin. Aujourd'hui, sa porte était verrouillée. Mon mari est concierge. Nous habitons en dessous. Nous avons les clés de tous les appartements. Alors, après avoir frappé, je me suis inquiétée. J'ai ouvert et je l'ai trouvé comme ceci. Ok. Monsieur Kashan était un critique musical respecté. Un homme très doué. D'accord. L'éclairage ne fonctionnait pas. Mon mari ne voulait pas gaspiller des bougies, alors nous nous sommes couchés tôt. Ouais, ça marche. Ah, il y a encore un truc, du coup, ouais, la bougie. Comme il n'y a plus de courant.
Voilà, ça devrait être le dernier indice. Ok. Du coup, faut que j'aille voir le voisin qui n'a pas de courant non plus. Voilà. Avec la bouche d'aération. Une lettre. Ok, Je n'ai pas posé Rémina. de questions à ce sujet. Un petit bouquin, peut-être une partition encore, non? Ah, mais. Voilà. Oui, j'ai pas trop le temps de lire, du coup. Juste en déduction, je vais essayer de trouver le meurtrier. Je n'ai pas posé de questions à ce sujet. Monsieur Cachan est mort? Je l'ai vu encore hier. Il avait l'air en pleine santé. Ah, si vous voulez mon avis, il s'intéressait trop à la femme du concierge. Un vrai scandale. Je crois qu'il se voyait presque tous les jours. Quand D'accord. l'éclairage s'est éteint hier soir, ce bon monsieur Golden a remis des bougies à tout le monde. C'est un homme exquis. J'ai passé la soirée d'hier là, assise à tricoter. À un moment, je me suis sentie mal et j'ai ouvert la fenêtre pour prendre l'air, mais j'ai rien entendu. Hein, apparemment, il est 5 h. Ah bah, je sais pas, chez moi, il est 2 h 25. Bon, du coup, je vais poser la question. Du Alors, coup, comme ça, il est mort. Il rentrait souvent de ses concerts à moitié ivre en beuglant des chansons. On était voisins. Ma femme n'en pouvait plus. J'étais à la cave, c'est là que je me livre à mes expériences. Cachan était un homme à femme, c'est certain. À dire vrai, je l'enviais un peu. Je suis Ok. chimiste amateur. Enman me laisse la cave pour mes expériences. Ça appartient à Monsieur Golden, un homme très agréable. Nous le laissons utiliser notre appartement en journée quand ma femme et moi sommes à la boutique. Il aime répéter dans un endroit bien éclairé. D'accord, ça marche. Attendez, est-ce que j'ai encore un indice non trouvé? Ah, là. Désolé. Cave. Ok. Alors là, vraiment, je sais pas trop qui pourrait être le coupable. C'est vrai, je l'aimais. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui. Ok, ça se voit pas trop que tu pleures. Hein. En plus, t'arrêtes après. Du coup, il y a des gens à parler en bas. Avec un indice là. Ok. Oh là là, j'ai plein de trucs à regarder en vrai. Quoi d'or pour code numéro 6 en fois mineur? Ok. Je pense pas que ce sera très utile avec les accords pour l'enquête. Il faudrait que. Non, mais non, il n'y a pas eu d'empreinte. Ok, une caisse. Je crois que je devrais réinterroger un suspect. Ok. Ah, bah, il est toujours 5 heures. Ah, il reste un indice et il est là. Oh, la vision d'aigle, elle est très pratique quand même pour chercher les indices. Un accordeur. Je travaille très tard, et lui aussi. Je ne l'ai rencontré qu'une ou deux fois depuis mon arrivée, il y a 2 ans. Je m'en sers pour créer une atmosphère lors de mes récitals privés.
J'étais dehors à donner un récital pour des musiciens sans emploi. Plusieurs dizaines de personnes peuvent en témoigner. Ok, s'il y en a plein qui peuvent en témoigner, c'est sûr c'est pas lui du coup. J'ai personne à interroger en haut. Non. Par contre, apparemment, c'est en bas. Ah oui. Oups, c'était juste là. Bonbonne de gaz de houille alimentant tous les appartements de l'immeuble. Salle couverte de souris. Je crois que je devrais réinterroger un suspect. Un petit bécher à moitié rempli d'un liquide jaune. Je devrais réinterroger un suspect. Mais surtout celui qui a le bureau là. Le laverrerie de laboratoire. Des entonnoirs, un mortier, un pilon, un joint, ouais. Et divers produits chimiques. Un bon petit pilon. Ouais, au calme. Non, en vrai, j'en fume pas. Hein. Ne le pensez pas. Clé de tous les apparts, ouais. Non, de l'autre côté, il n'y a rien. Je n'ai pas posé de questions à ce sujet. Lui, il s'allume pas, censé. Et une bougie pour le dernier indice. Du coup, à nous. Je voudrais l'interroger, voilà. Monsieur Cachan est mort ? C'est à peine croyable. Il menait une vie très rangée. Il allait au concert presque chaque soir. Le reste du temps, il s'enfermait chez lui pour écrire. Il était du genre solitaire. Ma femme a pris pitié de lui et l'aidait aussi souvent que possible. D'accord. J'ai oublié de le ranger après avoir réparé le pupitre de Monsieur Golden. Je l'ai laissé là-bas et il me l'a rapporté. D'accord. Il y a eu une panne de gaz hier. Je ne m'y connais pas assez pour me risquer à réparer ces choses. Un homme de la compagnie doit passer demain. C'est moi qui m'occupe de gérer et d'entretenir cet immeuble. Il m'arrive parfois de me salir. J'étais justement en train de travailler dans les caves. Non, t'étais en train d'attendre, en fait. Ok, bon, Ah, c'est ça qu'ils appellent la cave, en fait. Ah, d'accord. Tu vois, moi, j'aurais cru que c'était une cave, bah, en dessous, quoi. C'est de la maison, généralement, c'est ça. Maintenant, là, non. Pas du tout. C'est à qui que je vais poser une question, lui? Ah oui, et faites attention avec ça, c'est dangereux. Ça supporte mal la chaleur. D'accord. Lancer une accusation. Je pense bien le voisin. J'étais en bas à la cave à conduire mes expériences. De toute manière, pourquoi diable serais-je allé tuer ce vieux fou? Ok, en fait, c'était pas lui. Bah, elle, je pense pas. J'ai passé la soirée d'hier là, assise à tricoter. À un moment, je me suis sentie mal et j'ai ouvert la fenêtre pour prendre l'air, mais j'ai rien entendu. Mais arrête, toi, pousse un peu, tu veux pas que je travaille? Oui, je travaille à rien faire. J'ai inspecté le corps pour voir. Non, non, j'ai pas besoin de toi. Aucune trace de lutte, pas de blessure. Ouais. Du coup, c'est obligé, ça provient de la canalisation. Mais qui? Ça, c'est des vêtements sales. Ah ouais. C'est peut-être l'autre en bas. Bah vous savez quoi, pour l'instant je vais mettre sur pause, enfin si elle arrête de m'embêter, et je reprends le clip vidéo. Bon allez, à tout de suite. Bon ouais, c'est bon, on est reparti pour la suite. Normalement là, en 5 minutes on le finit, enfin, j'espère. Enfin, en même temps il y a juste à lancer une accusation. Je n'ai jamais eu le moindre différend avec cet homme.
Quoi? Quoi avec ma Avec ma femme? femme? Ah, l'ordure! Ah, c'est pas lui non plus. Eh ben, tire-toi. Du coup, j'ai le choix entre deux personnes, du coup. Ah non, ou peut-être lui. J'étais dehors à donner un récital. Je m'en sers pour créer une atmosphère. Je travaille très tard. Au pire, j'ai donné une accusation à elle. Comme elle était là à tricoter, alors ça se peut que ce soit elle. Toute la soirée, je pouvais à peine respirer. Encore moi, tu as un homme de deux fois ma taille. Oups, non, bah c'était sûr. Bah vous savez quoi, je vais tous les faire parce que là, vraiment, je suis pas du tout. Ah, c'est Il le a dernier. La ruine de tout un orchestre. Tous ces musiciens privés de travail. Wow, c'était pas sûr que ça aurait été lui. Sans talent, incapable de créer. J'ai l'impression que ce mystère cache bien des choses. Je vais m'y intéresser. Ok, bon bah ça marche. Bah je vous laisse mettre pause et lire. Comme d'habitude. Enfin, vous aurez pas encore vu les autres vidéos à cette heure là parce que je les ai toujours pas postées. Bon bah voilà. Ah c'est con d'avoir mis sur pause en fait. Surtout que là ça fait qu'une minute 50 de plus alors. Voilà. 1012. Oh, c'est pas beaucoup. Désolé, j'étais obligé de te pousser. Ouais. Oh bah c'est tout hein, même si ça fait pas longtemps. Il y aura quand même eu la coupure, mais c'est pas trop grave ça. Moi ça fera une petite vidéo. Et j'aurais dû faire quand même plus vite, comme ça j'aurais fait en 15 minutes. Ça aurait été mieux. Bon, c'est tout, moi je vais vous laisser sur les toits. Bon, j'aurais pas eu un bon temps aussi. Ça aurait été un temps pourri comme ça. Mais c'est pas moi qui choisis la météo, du coup. C'est pas de ma faute. Ouais, vous croyez quoi? Vous allez le tuer facilement? Non. Bon. Bah, c'est tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. Enfin, l'enquête aussi vous aura plu. Elle était un petit peu ennuyante aussi, cette enquête. Mais c'est pas grave. Bon. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle enquête à la prochaine vidéo. Bon, bah, allez, ciao.